Bonjour et bienvenue à Cadaqués, les amis. Vous voyez, Salvador Dali est derrière moi. Il est là, à Cadaqués, voilà. Catalogne. Catalogne, quand même. Voilà. Départ de cette étape 4 du Fabriac Tour entre Cadaqués et Marseille, les Pyrénées en plat de résistance. Et aujourd'hui, l'étape, c'est Cadaqués. Perpignan, les amis. Voilà, voilà. On arrive en Catalogne française, les amis. Yes. On est chaud patate, je pense que mon Fab, il va me... Bon, bah, bonne route, hein, mon ami. Ouais. Et puis, je prends le relais un peu plus loin. Tu prends le relais à la frontière. Voilà, t'as un joli petit col pour commencer. Eh ben, c'est parti. Allez, et c'est pour la Ligue qu'on fait ça. Eh, on fait ça. Allez. 3, 2, 1. Allez, allez, allez. Vamos, vamos. Compagnie de mon JB. Ouais, mon petit Briac, ça fait plaisir. Responsable d'animation d'un camping à Argelès. C'est ça. Donc, voilà. 4 étoiles, on n'a pas le droit de le dire. Mais... On n'a pas le droit de le dire, mais en revanche, il nous paye une petite paella avant d'arriver à Perpignan. Donc voilà, on va déjeuner gentiment, boire un petit Perrier tranche et un as. Après une bonne paella, il est temps pour Fabrice et Briac de reprendre la route direction Perpignan. À l'hôtel de ville. Bon, on n'a pas pu rentrer avec le camion, donc on a déposé les vélos pour la police municipale. Mais c'est la police qui nous les garde, voilà. On n'aura pas abusé trop longtemps. Hein. Voilà, on est bien arrivé, on a fait une belle première journée, Cadaqués Perpignan, et voilà, avec un passage à la frontière. Voilà, c'était super sympa, et puis ce soir, on se voit chez Nono. Salut les amis. Ciao, ciao. Voilà. Bon, les amis, ça y est, on est chez le frère de Nono, avec mon petit Flo, mon Fab, toujours en place. Voilà, il est là, le Steph. C'est bon. Il est là. The King of the Sausage. Oh, mais non, mais c'est élégant, là. Un chapelet de saucisse. C'est le couleur, là. Ça te fera un collier. Tu peux le ramener, si tu veux. Bon, allez, on va bien manger. Et puis, voilà, ça fait plaisir. Et croyez-moi, ce soir, ça va être une soirée, les amis. Ah, tu filmes, alors? Oh, mon gars. Oh, Maxime, tu m'as pris dépourvu. Moi, je faisais la pause alors que tu étais en train de filmer. Hein. D'accord. Alors, quand tu filmes, tu me le dis. Parce que moi, je pose comme si c'était une photo. Voilà. Ah mon nono, les bons tuyaux. Et ouais, aujourd'hui c'est journée de repos pour notre binôme. Déjà, quand même. Alors quoi de mieux que de passer un peu de bon temps dans la piscine avec Noël? Thank you.
Salut les amis, bon on est à Perpignan, on s'en va aujourd'hui pour Narbonne, il y a mon petit Fab qui prend le départ, Philippe qui est juste là, on fait une spéciale dédicace à Marion. Elle est quoi c'est en Angleterre avec la Covid, Marion? Voilà, on vous fait de gros bisous et on donne le départ. Merci 3, les amis. 2, 1. Allez c'est parti. Allez, go. Ouais. Go. Ouais. Merci Nono, merci ouais. Stéphane. Ouais. Débordant d'énergie notre Nono. Bon les amis, on est en pleine petite pause café croissant entre Perpignan et Narbonne. Et puis voilà mon petit Nono. Et on est avec Nono. Nono, Fabrice Tour. Hein, une belle cause, voilà, militer contre la Ligue contre le cancer. Une belle action de Fabrice et Riac. Voilà, c'est pas facile tous les jours, ils font du vélo. Je les comprends. Quand je vois Fabrice aujourd'hui, comment il s'est donné à fond. Vraiment, merci Nono. Non, franchement, c'est formidable. Il est toujours en train de se surpasser, il ne lâche jamais rien. Voilà, c'est très touchant de leur personnalité à tous les deux. Moi, je suis ravi de connaître ces belles personnes. On s'est rencontrés dans Pékin Express. Et depuis, on est restés des bons amis. Et je les soutiens à fond. Et de toute façon, on a des projets. Et bientôt, j'espère qu'on va, eh oui. On va continuer. Bon, Nono, on se fait une photo. On se fait une photo. Allez, Nono. Allez, check. Check. Merci, vous aime. Nono. Je vous aime. Allez, voilà les amis, on est bien arrivés à Narbonne. Bon, on a une heure d'avance, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Ouais, t'as bien roulé, dis donc. Parce qu'on a bien roulé. Ouais, avec le vent favorable, mais quand même fallait le faire. Défavorable. Défavorable même. Ah, je l'avais emmené. Oh putain. Bon, c'était une belle journée, il fait beau. Mais toujours bien coiffé. Ah, toujours bien coiffé. Ouais. C'est la classe à Dallas. Ah, c'est la classe. Allez, nickel. Voilà. Bon, les amis, aujourd'hui, on est à Narbonne. Ouais. On part pour Carcassonne avec le Fab. Bon, c'est lui qui va rouler parce que je crois que j'ai fait un peu trop la fête. Et c'est encore le vent dans le nez, mais on a un bon peloton. On va en faire des relais, les amis. Hein. Bon, bon courage. Vous y les gars. Oui, on y va. Allez, vamos. Allez. Bon les amis, voilà, on est à mi-chemin pour aller à Carcassonne. On attend que le petit groupe de cyclistes se regroupe tout simplement. Et qui on rencontre? Une super Christine. Et voilà. Christine, elle nous fait l'honneur de... De faire le tour de la France en vélo contre la maladie d'Alzheimer. Excellent. Et t'es parti d'où? De Lille. Il y a 32e... C'est le 32e jour aujourd'hui. Excellent. Et tu en fais combien les jours? Alors, je fais normalement 68 nuits pour retourner à Lille. 3100 km toute seule pour récolter des fonds contre la maladie d'Alzheimer. Et on peut te suivre où alors? Sur Facebook. Voilà. Voilà mon Facebook. Ah, c'est nickel. France Alzheimer. Chéchette Tour. Chéchette Tour. C'est le prénom de ma maman et le tour en fonction du Tour de France que mon papa m'a fait aimer. Mais moi, bon. Ça me touche beaucoup cette cause parce que mon beau-père est atteint aussi de cette maladie et je fais un gros bisou aujourd'hui. Et ben gros bisous à tous ceux qui nous écoutent. Et prudence sur la route. Oui. Belle rencontre, une et belle superbe personne. Superbe rencontre. Merci. Et voilà les amis, on est bien arrivé à Carcassonne. Bravo, avec l'accent. Bon, une superbe arrivée devant la cité de Carcassonne. Il fait beau, il fait chaud, on est heureux. Merci à tous nos amis d'avoir roulé avec nous, c'est super sympa. Ok les gars. Et on se voit pour la suite des aventures. Vous avez pris plaisir. Ouais.
Bon, les amis, je suis avec Leslie. C'est notre guide pour la visite de la cité de Carcassonne, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? On va apprendre un petit peu les expressions du Moyen-Âge. Oh. Voilà, le travail noir, payé en espèces. Ah ouais, ok. Voilà. Tout ça. Eh ben nickel, on voit ça dans la suite de la vidéo. La construction de cette imposante cité fortifiée remonte à la période gallo-romaine. Elle doit sa renommée notamment grâce à sa double enceinte, ses 3 km de fortification et ses 52 tours. On est à Carcassonne, au pied de la cité. On s'en va pour Saint-Martin-de-Lys. Il y aura un petit relais à Limoux, je crois, Fab, non? Ah, ben c'est ça. C'est ça. Voilà, on est avec un beau groupe de cyclistes. Et puis, on va nous donner le départ à ma gauche, je crois. Voilà. Allez, merci. Merci. On attend le décompte. De rien, avec plaisir. Félicitations à tous. Merci beaucoup. Et puis, prudence sur la route, les gars. Prudence. Allez. Nombreux. Alors, 5, allez, 4, 3, 3, 2, 1. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, allez, les gars. Bon les amis, me voilà au volant du camion. J'ai échangé avec Fab, on est passé à Limoux où il a chopé un nouveau peloton de cyclistes. Les miens ont très bien roulé, on a fait une belle partie de la route. Et puis voilà, Fab s'en va jusqu'à Saint-Martin-Lys maintenant les amis. On est bien arrivé à Saint-Martin-Lys, yes. Après le départ de Carcassonne. Bien roulé gamin, hein, encore une fois. Ouais. Il progresse, bientôt il va dépasser le maître. Madame le maire, Madame le maire, venez là au milieu. Venez là au milieu, au milieu, au milieu. Nous sommes heureux que vous fassiez acte chez nous. Voilà. Bon, salut ma chérie. Dans ce joli petit village quand même. Merci de nous accueillir dans ce joli petit village. Merci à vous d'être venu chez nous, voilà. Je l'avais coché ce village. Et en précède le Tour de France. Ah ben, avec grand plaisir. Ah oui. Et ça sent le Tour de France. On se voit tout à l'heure. Salut les amis. Les amis, voilà, on est bien arrivé à Saint-Martin-Lys, mais on nous a prévu une petite surprise. Vous voyez ça là? On va se faire un bon petit rafting, ça va être sympa. On va envoyer du bois sous le soleil, juste à côté de l'eau, c'est nickel. Allez, va.
amis, nous voilà à Saint-Martin-Lys, ville de départ pour la première étape de montagne quand même dans les Pyrénées, jusqu'à Font-Romeu. Ah, ça va grimper. Là, va y avoir des lacets. Et puis, on est quand même avec madame la maire, ma petite Rosie. Bonjour. Oui. Bonjour. Merci d'être passé chez nous. Voilà. C'était super sympa, d'avoir Rosie. D'avoir choisi notre petit village, nous sommes très fiers de vous accueillir. Ah, mais c'est très gentil. Il fallait le cocher parce qu'avec 20 personnes dans le village, il fallait le cocher. Voilà. Mais on l'a coché, il n'y a pas de hasard dans la vie. Bon, mon Fab, tu vas enfourcher le vélo. Parce allez, que c'est parti. C'est toi qui commence. Merci, les amis. Allez, au revoir, bonne route. Bonne route. On a un petit départ quand même. Un salut à nos amis belges, salut à toi, Véro. Allez Fab, 3, avec 2, plaisir. 1, allez c'est parti. Allez, on va la Bon bah les amis, on est à peine parti de Saint-Martin-Lys qu'on retrouve les cyclos de Limoux. Voilà, j'ai même un monsieur que je remonte au peloton. Fab il est dans un peloton bien caché, ça va bien nous aider pour la première partie de la route. Merci. Bien arrivé à Font-Romeu. Bravo. Pémini, regardez, il est là le cousin. Il est là le cousin. Oh, c'était oui, pas facile hein. Tout ce parcours dans les Pyrénées, toi t'en as pâti aussi. Un petit peu aussi, voilà. Mais on est là quand même, c'est bon. Là, à 2000, regarde un peu. 2000 mètres d'altitude. C'est sublimissime. Incroyable. Voilà. Il n'y a personne aujourd'hui pour nous accueillir, mais on a donné rendez-vous à personne parce que c'était une étape vraiment compliquée. Et puis c'est un effort solitaire, voilà, voilà, on l'a solitaire jusqu'au bout. À très bientôt. Allez. À Font-Romeu, Fab et Briac tombent sur Julien aka le Nums, avec qui ils ont roulé pendant quelques jours lors de la première étape en Bretagne. Bon les amis, je sais pas si vous vous souvenez du Nums. Salut les gars. Bon, on a ses lunettes, mais on le reconnaîtra mieux. J'en ai lunettes. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était au Mont-Saint-Michel. On a fait deux jours ensemble de vélo. Et là, il nous fait un sacré tour de France contre la mucoviscidose, c'est ça mon pote? C'est ça, et puis ça fait plaisir de vous retrouver ici, dans les Pyrénées. Il fait le même tour que les professionnels, la veille des professionnels. Chapeau. C'est exactement il s'est le même affûté, tour. Il a plus un bourrelet, le frérot. Ouais, j'ai plus... Il est sec comme un coucou. C'est ça. Il a regardé les soucis. Dédicace à la godesse. Excellent. Bon les amis, vous voyez cette vue là? C'est la vue qu'on a du chalet de monsieur Sylvain Chavanel. Voilà, on est gentiment invité par Natacha, sa femme, pour passer une jolie nuit à Font-Romeu et demain repartir vers Andorre. Voilà, je vous laisse apprécier cette plaque. Des images de drone un peu rosées. Bon, Sylvain, t'es pas là ce soir. Je suis dans ton chalet à Font-Romeu. Je pense que j'ai pris la place du chef, tu vois. Mais bon, une petite pensée pour toi parce que tu es juste au-dessus de moi, mon ami. Et on passe une super soirée chez toi, malheureusement tu n'es pas là, on a bien vu que tu ne voulais pas nous rencontrer une deuxième fois.
Non, je déconne, on passe une super soirée, mon pote, et on prend que du plaisir avec Natacha et tes deux fils. Voilà, fond remeux aujourd'hui pour le départ direction Andorre. Je crois que c'est une grosse étape de montagne qui nous attend. Ah bah là, trois cols à passer. Puis Morins et puis d'autres par-ci par-là. Mais demain c'est le jour de repos. Demain c'est le jour de repos, ça fait voyager tour. Ça c'est bon. C'est bon. Tu me fais un petit décompte tout seul. Bon, alors avec la petite. Alors. Allez. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Allez, petit. Allez, allez. Allez. Doucement. Bon les amis, on vient de quitter Font-Romeu, il est à peine 7h du matin. Je vous laisse apprécier ce paysage magnifique, c'est de la grosse montagne, on est dans les Pyrénées-Orientales encore une fois. Et on se dirige sur Andorre. On a trois cols à franchir et ce qui est très excitant pour nous, c'est qu'on précède à quelques heures le Tour de France. C'est exactement le même tracé, c'est Briac qui pédale. Je pense qu'on va faire le pas de la case, on va monter sur Andorre ensemble pour le fun, pour accueillir la caravane et le Tour de France. On est très excités et encore une fois, on a une chance inouïe. Il y a un temps magnifique ici dans les Pyrénées, c'est que du plaisir. Voilà, je vous laisse apprécier ce décor majestueux. Les amis, on est sur la route du Tour, au col du Puy-Morin. Si vous passez cet après-midi ici, assez régulier ce col, pas trop mal monté. J'ai des bonnes jambes aujourd'hui. La vallée était un peu dure, mais le col s'est bien passé. Et on se voit pour la suite de l'aventure aujourd'hui. D'Envalira, le toit du Tour de France 2021. Voilà, je l'ai monté. Le Tour de France, il est là. Bon, pas facile, un col assez dur. Mais on l'a fait, on est sur le toit du Tour. Bon, les amis, on a échangé avec Fab. J'ai fait 73 km. Mon pote va faire les derniers. Il reste un petit col, le col de Bec Salis, je crois. Et après, l'arrivée à Andorre-la-Vieille.
À leur arrivée à Andorre-la-Vieille, Fabrice et Briac en profitent pour assister à l'arrivée de l'étape 15 du Tour de France, bien sûr, au départ de Céré. Bon les amis, on est sur l'arrivée du Tour de France à Andorre-la-Vieille. Et regardez tout le long là, il y avait Emirates, Astana, Paris Victorious devant. Il y avait la Groupama FDJ, Citroën, AG2R. Il y a tous les amis, on est là, on est sur le droit. Bon les amis, vous voyez, on est derrière moi, la ligne d'arrivée de cette étape Céré Andorre-la-Vieille, un truc incroyable. On est ici au Tour de France. Bon, nous on est arrivé depuis un petit moment, c'était un petit peu galère à l'arrivée à Andorre, mais voilà, on est là, on est très content d'être là. Il est là, Marc Cavendish, les amis. Il est là. Oui, bon, il est bon. Ah ouais. Il est bon.